Yo tout le monde, c'est Nazokaza et on se retrouve pour l'épisode 3 de Galaxy Strat. Alors dans l'épisode 2, on avait parlé de tout ce qui était les talents. On avait parlé en même temps de tout ce qui était donc optimisation de talents au sein des movesets. Et puis on avait un peu parlé de tout ce qui était relatif avec les esprits guerriers et les totems. Et puis toutes les petites améliorations qu'ils ont apportées au sein du gameplay. Alors pour cette vidéo, ça, on va parler donc de recrutement, des jetons, donc le système de jetons qui revient un peu à la manière de IO3. Et on va parler en même temps du comment reconnaître, plus ou moins reconnaître les bons joueurs, trouver en fait ces joueurs, voilà. Parce que je pense que au vu des jetons, je pense qu'il y aura peut-être un petit amalgame qui va être fait. Et je suis là pour empêcher tout amalgame. Alors déjà, les jetons, comment ça fonctionne, le système de recrutement. On a toujours les points de motivation. Donc vous voyez, j'en ai 130 000, j'ai un peu tout dépensé pour entraîner une équipe. Les points de motivation vont servir aux entraînements et pour apprendre donc à vos joueurs à invoquer. Donc c'est toujours le même principe. Ça change du principe des jetons spirituels. Le mieux c'est que je vous montre un exemple tant qu'on y est, tant qu'on commence cette petite vidéo tranquillement, comme ça après je peux aborder sereinement tout le reste tout le long de la vidéo. Bon, je vous apprends rien, c'est toujours au même endroit que dans Chronostone ou même dans Yogo. C'est toujours ce mec. Cette fois, vous voyez, il n'y a plus besoin de jetons, c'est des points de motivation. A titre d'exemple, je vais donner par exemple pour un joueur, qu'est-ce que je peux donner pour être en votre 4. Voilà, tiens, on va prendre Yasha, ma défenseuse. Comme vous voyez, pas de Mixima, pas d'esprit guerrier, pas de Dora comme les autres joueurs, vu qu'il n'y a pas d'icône. Donc, je vais dépenser 10 000 points de motivation. Il va faire son petit dialogue, patati patata. Yasha est capable donc d'invoquer. Attention, là uniquement, à ce niveau-là, elle peut soit invoquer un esprit guerrier, soit elle peut invoquer un totem. Il n'y a pas de souci, le totem peut être invoqué et être utilisé pleinement. Après, bien sûr, il suffit de redonner encore les 10 000 points de motivation pour cette fois lui donner la capacité à faire l'armure. Attention, pas l'armure de totem, mais uniquement l'armure pour l'esprit guerrier. Tout simple, les points de motivation, ça se forme en match, c'est beaucoup plus simple. Et ça évite vraiment d'avoir à farmer les jetons spirituels pour se faire une équipe. C'est peut-être ça qui bloquait dans Chronostone pour se faire plusieurs équipes. Car à titre d'exemple, on prend une full équipe, donc 16 joueurs avec les remplaçants. Avec en même temps les remplaçants qui peuvent invoquer, ça fait 16 jetons par joueur de son équipe, plus 16 pour leur donner l'armure, ce qui va à 32 jetons, plus 16 encore, donc on est à 48 jetons pour que les Mixima, donc les Aura, puissent invoquer et donc leur donner la capacité d'invoquer un esprit guerrier. Ce qui fait 48 jetons pour une équipe. Maintenant multiplie ça par 10 équipes, 480 jetons à farmer. Je préfère largement les 10 000 points de motivation de Galaxy qui sont beaucoup plus simples. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on retourne sur les jetons. Vous voyez qu'il y en a de 5 couleurs différentes. Bleu, rouge, gris, violet et doré. On peut dire que leur rareté varie par rapport à la couleur. Donc on va dire les bleus c'est les plus communs et les dorés les plus rares. A savoir que tous les jetons peuvent être droppés, que ce soit en match ou en défi. Attention, il n'y a aucun match ni aucun défi qui donne plus que d'autres, c'est totalement aléatoire. Après, par rapport aux jetons, vous serez plus amené à gagner peut-être plus de jetons bleus et rouges au cours d'un match ou d'un défi que de jetons dorés. Bien que vous pouvez quand même gagner par exemple un jeton bleu en match, comme vous pouvez gagner 3 jetons dorés en défi. Ensuite, comment ça fonctionne les recrutements? De la même façon que Chronostone, où vous avez donc par exemple pour ce joueur
un objet en particulier que vous devez utiliser. Vous avez tout ce qui est photo et tout ce qui est thème. À savoir que la description est indiquée, donc vous ne pouvez manquer de rien. Parce que franchement, si vous n'arrivez pas à trouver, bon, entre-temps, il y aura peut-être des guides qui sortiront. Pour l'instant, il n'y a pas de guide pour tous les thèmes et les objets en dehors de la Twiki du jeu, qui est en japonais. Et il risque d'être très long de tout recenser, donc pour le moment... De toute façon, c'est pas si difficile que ça de retrouver les thèmes et les objets, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de farfouiller un peu dans le jeu, vous ne pouvez rien manquer. Alors à titre d'exemple, un joueur que je pourrais recruter, qui peut me sembler, je sais pas, plus ou moins intéressant, que je voudrais. Bon, après bien sûr, il y a des joueurs qui sont cachés parce que ceux-là, ce sont des joueurs qui se recrutent en défi. Et que, voilà, entre-temps les défis changent, donc vous pouvez tomber sur d'autres joueurs. Déjà, j'aimerais bien au moins le trouver, ce défi. On va prendre... Putain, j'ai aucun joueur intéressant. On va un peu chercher. Quel joueur je peux prendre? Parce que, bon, oui, j'ai déjà entendu des gens me demander, oui, recrute des joueurs comme, je sais pas, Sol ou Nior, mais bon, ces mecs, je les ai déjà recrutés. Bon, je vais pas encore les recruter à nouveau. Et puis, voilà, il est... Les conditions ne changent pas tellement. Pour certains, vous aurez certaines prouesses. Pourtant, j'ai pas de joueur avec une prouesse. Si, voilà, par exemple, lui. Par exemple, celui-là, il me semble qu'il faut affronter un certain nombre d'équipes en match amical. Par exemple, pour certains joueurs, vous avez besoin de 3 objets, un thème. Vous avez besoin d'un joueur, un thème. La plupart, lorsque ça demande des joueurs, c'est soit un joueur qui se recrute par défi, soit un joueur qui se recrute... Donc dans les communautés. Donc vous voyez, par exemple, on a des scouts. Bon, c'est pas le meilleur exemple que j'ai. Il faudrait que je bouge. On va bouger, je vais changer de coin. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer vraiment comment... et définir un peu les... Comment sont définis en fait les jetons. Je vais aller à la route du sacre. On va prendre, je sais pas, allez, cette équipe. Je sais pas c'est quoi, Holy Road. Bon, je tombe sur Alpha. On a par exemple les joueurs de base, ça peut être des scouts. Jetons bleus. Ça dépend, ça peut coûter 1, ça peut coûter jusqu'à 6. Donc là, vous voyez, tous ces joueurs, ça coûte 1. D'ailleurs, lui, je crois que je ne l'ai pas, il a un esprit gagne. Donc par exemple, je vais prendre Langford. Donc voilà, un jeton bleu. On me demande, oui, voulez-vous prendre la carte? Oui, vous le recrutez. Si vous avez de la place, vous le prenez. Le joueur est recruté, il arrive, vous connaissez la chanson. Pas de quoi fouetter un chat. Ensuite, on peut dire plus ou moins que la rareté du joueur est définie selon le jeton. Par exemple, pour certains joueurs, ça dépend. Il y a des joueurs avec des jetons bleus qui peuvent avoir des esprits guerriers, comme des joueurs avec des jetons dorés qui peuvent pas en avoir. Par exemple, si je continue, on a des genres de mirages, on va dire qu'ils sont un peu plus rares ou un peu plus forts, c'est par rapport, de façon chronologique, de la manière on les rencontre en fait dans le jeu, dans l'aventure, dans l'histoire. Notamment de Go. Par exemple, là j'ai Harold Houdini qui lui aura besoin d'un jeton par exemple argenté. Vous aurez Baylorel, lui il aura besoin d'un jeton violet. Et par exemple pour Nior, vous aurez besoin d'un jeton doré. Après, bien sûr, il y a les conditions qui peuvent varier. Mais bon, les conditions ne définissent pas forcément la difficulté, car certains joueurs peuvent être extrêmement simples à recruter avec un jeton doré, comme certains peuvent être extrêmement durs à recruter avec des jetons bleus. Par exemple, lui, il faut 2 objets, un thème et un objet. Quand par exemple un joueur doré, oula, là j'ai un gros trou. Oui, en plus voilà, l'exemple n'est pas magnifique. Le fait est que certains joueurs se débloquent que si vous recrutez un certain nombre de joueurs de la communauté. Donc par exemple, on va faire un test. Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, on va prendre Princeton. Attendez. On a combien de joueurs déjà? Recruter, on a un. On a que 2. Ok, 3 joueurs. Bon, je vais recruter des joueurs parce que certains joueurs en fait se débloquent en débloquant d'autres joueurs. Ça peut être 5 joueurs dans la communauté ou ça peut être 10 joueurs. Donc c'est beaucoup moins, on va dire, punitif,
On peut dire oui, c'est chiant de recruter patati patata. Dans Chronostone, il y avait ce même système, à savoir qu'il fallait des points d'amitié et que certains coûtaient quand même assez. Là, quand vous avez des jetons, regardez, ça vaut que 1. Ça peut clairement vous permettre de recruter des joueurs jusqu'à ce que vous ayez le joueur que vous voulez. Donc, on va recruter, on va prendre, je sais pas moi, on va prendre Ascot, je prends juste des scouts par tête et peut-être voir si certains ont des. On les aura, on sait jamais, ça peut toujours servir. Parce qu'il me semble que je débloque Remington et. Remington et comment il s'appelle l'autre voilà, regardez. Donc j'ai. Alors attendez, j'ai un joueur, deux, trois, quatre. J'ai débloqué 5 joueurs. Ça m'a permis de débloquer Remington, Il Grande et Jones. Ma foi, assez simple, il suffit juste de recruter des joueurs, ça les débloque. Pour certains, ça peut être 10 joueurs, pour certains, ça peut être 5 joueurs, ça dépend. Mais tout le monde on trouve son compte. On va continuer jusqu'à ce qu'on débloque. Le dernier, je sais même pas c'est qui. Si c'est pas Remington, si c'est pas Jones, qu'est-ce que ça peut être? Qui ça peut être? Maintenant, j'ai vraiment aucune idée du joueur qui est caché. Là, il essaie de me remémorer de tête. Sur le cours, qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. De toute façon, ces joueurs, je les garderai pas dans l'équipe, puisque je n'ai aucun qui m'intéresse. Le simili du Miximax, c'est une machine cliquée. Lui, il était bien, j'étais pas comme un petit guerrier. On va prendre lui, on verra bien. Bon, juste là pour recruter les joueurs. Et après, je vais vous expliquer plus en détail. Alors en général les jetons dorés sont assez réservés aux capitaines des équipes. Donc ça peut être, comme vous avez pu voir, Nior, ça peut être par exemple Siméon, ça peut être, je sais pas, Alpha, Beta, Gamma. Je sais plus c'est quel jeton, mais voilà, c'est un exemple. Ces jetons dorés sont réservés vraiment à eux, et peut-être quelques exceptions. Après, bien sûr, il y a des jetons argentés, parce que ça va être pour des joueurs qui sont généralement soit des capitaines, soit des joueurs qui sont proches des capitaines. Donc ça peut être, par exemple, comme Mer ou Guiris, notamment, on va les jetons argentés et violets qui sont réservés pour ces joueurs. C'est des joueurs qui sont assez importants. Et après, tout ce qui est les jetons rouges et bleus, c'est vraiment les scouts ou les joueurs vraiment, allez. Ah voilà, 12 par exemple. Le dernier c'était 12. Ah bah voilà, j'ai plus de place dans le roster. Ça compte bien. Moi je fais de la place. Bon, j'ai 3 joueurs avec des auras. On va pouvoir souhaiter. Donne-moi Corvus. Donne-moi. Lui je sais plus comment ça s'appelle. Mais on s'en fout. Tu me donnes poser. Donc. Tu me donnes le cavalier blanc. Merci beaucoup. Et ensuite, je vais tous vous virer. Alors, attendez, est-ce que j'ai pris sa carte à Doug? Ouais, j'ai pris sa carte. Et pourquoi je peux pas revenir? Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, en général, les joueurs les importants, c'est vraiment les dorés. Les joueurs moins importants, ça va être les bleus et rouges. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas faire d'amalgame. Ce n'est pas parce que le jeton est doré que le joueur il est fort. Vous pouvez très bien tomber sur des joueurs avec beaucoup de points évolutifs, des joueurs très forts sur des jetons bleus, des jetons rouges, et tomber sur des joueurs qui ont un potentiel assez limité avec des jetons dorés. Alors lui il a 250, ça peut être intéressant. 250, ok, 240, 240, 200. 260, intéressant. 250, ils ont tous un petit potentiel, hein, vous faites chier. Parce que j'ai tous prévu de vous virer. 230. Et Ascot, ok. Bon. Eux, je vais les entraîner, on verra bien ce qu'ils donnent.
quand en même temps, c'était peut-être la troisième partie de la vidéo, c'était quand même savoir trouver ces joueurs par rapport aux jetons. Comme je l'ai dit, il ne faut pas se focaliser sur la couleur du jeton. Le mieux, c'est que je vous montre. Enfin, j'ai pas d'exemple même. Voilà, je me perds un peu dans les menus. On va recruter d'où? Comme vous avez vu, par exemple, j'ai recruté des joueurs avec des jetons rouges, des jetons violets. Ils ont beaucoup de points évolutifs. On va voir ce qu'il en est pour Doug, hein. Vu qu'il est sorti avec un jeton doré. 200, voilà. Jeton doré, 200 points évolutifs. Allez, hop, toi, tu vires. Je t'ai recruté, tu dégages. Voilà. Voilà comment on vire les joueurs. Ensuite, on va retourner. Je retourne en fait à Raymond parce que je suis plus là où il y a le plus de communauté. C'est peut-être là où je peux trouver plus de joueurs. Donc, comme j'expliquais, je pense que le plus simple. Pourquoi j'ai. Ah oui, j'ai dépassé des jetons. Le plus simple à trouver, c'est vraiment les jetons bleus. Comme vous voyez, j'en ai 515. Ensuite, ça va être les rouges. Entre les argent et les violets. Ça se discute parce que voilà, on pourrait en trouver autant l'un que l'autre. Ça se bataille. Puis les dorés, c'est vraiment les plus rares, mais beaucoup sont disponibles via les QR codes qui sont dans le wiki anglais. Et aussi, donc par au téléchargement, tous les vendredis, vous recevrez 5 jetons dorés. Donc, il est vraiment en fait impossible de manquer de jetons, sauf si vous recrutez comme un maboule et que vous dépensez à tout va. Il vous est clairement impossible de manquer de jetons. Donc pour le recrutement, il est impossible de manquer de jetons. Alors par exemple, j'ai pas d'exemple de joueur que j'ai recruté qui avait un bon potentiel. Si par exemple, voilà, Cynthia, voilà, c'est Techno. Oh là là, j'ai plus son nom. Bon, Techno est une joueuse qui a un bon potentiel, qui a vraiment un très bon potentiel. Vous voyez, jeton rouge. Pas besoin de fouetter un chat, pas besoin de chercher dans tous les jetons violet, vert, violet, argenté, doré. Vous pouvez très bien trouver des bons joueurs avec les jetons rouge ou bleu. Le plus important, c'est quand même de chercher, faire des recherches, de recruter un maximum les joueurs. Pour vraiment découvrir des perles. C'est pas parce que je vais chercher dans les jetons par exemple violets ou les jetons dorés que je vais forcément trouver des joueurs qui ont le 300 points évolutifs. Franchement, ce n'est pas représentatif. Ce n'est vraiment pas représentatif. Alors, quel joueur je peux encore recruter? Alors, on va recruter lui. Il me semble qu'il a un esprit guerrier. Alors dans Hyogo il avait Pendragon, enfin dans Lumière il avait Pendragon, et ensuite son esprit guerrier est passé à Faucon de Tonnerre surnaturel, il me semble. Faut que je vérifie. Ensuite j'ai pas d'autres joueurs à recruter. Don Capo, lui la Feng Wang. 5, lui le 3 et mon 5, là on a un seul 3 ou le 5 en fait qui a un esprit guerrier. Ah voilà par exemple. Quand je dis que ça variait, c'est même pas par 6, ça va jusqu'à 9 au maximum pour les jetons bleus. 9, il me semble pour les rouges, ça va jusqu'à 9 aussi. Par contre, les violets, je crois que ça n'excède pas 3 ou 5. Pareil pour les argents. Et les dorés aussi, c'est 5 au maximum. Mais bon, franchement, ces jetons, il suffit juste de jouer. Vous avez juste à faire des défis, des matchs amicaux. Vous ne pouvez même pas manquer. Vous ne pouvez pas manquer de jetons. Il est impossible. Et même si vous réfléchissez au recrutement que vous faites, franchement, il est impossible que vous manquiez de jetons. Ah, voilà. Ah non, lui, il a... Okay. Ah, il a noir. Il a noir. Et lui, il a noir. Ça veut dire que alors, c'est les 5 qui ont un esprit guerrier. Aussi, c'est un autre. C'est les autres, c'est les 5. Le 5, j'ai déjà recruté. Mais le noir, 5. Ouais, ok. Donc, j'ai déjà pris. Je les ai déjà pris. On va changer de communauté, on va voir ce qu'on peut recruter encore. De toute façon, j'ai plus trop de place. En fait, je crois que je vais même pas les garder les joueurs en question que j'ai.
vais même pas les garder. En même temps, je vais faire quelques défis. On va faire quelques défis, on va voir qu'est-ce qu'on peut tomber sur pour les jetons. Franchement, c'est vraiment aléatoire, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de talent qui augmente le nombre de jetons que vous obtenez. C'est du pur aléatoire. Du pur aléatoire. Alors, on va faire comme ça, tranquille. On va faire un petit défi. Petit défi, une petite invocation pour augmenter le compteur d'esprit guerrier. Ça, c'est fait. Et il ressemble à mon. Comment ça s'appelle? Un de mes attaquants. Puis je crois que j'ai fait une petite connerie. Et c'est le but! Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on chope. Un jeton bleu. On va refaire le même défi, on va voir ce qu'on chope. On va bien voir, on va bien voir. Vas-y, ma bêta. Et crotte. Oui, on sait que c'est but. C'est le but. Ça fait quoi si je fous la 3D? Ça fait rien. Bon, ok. On sait jamais, hein. Un jeton bleu, bon, ok, j'ai rien dit. Ben, on va changer de défi alors. Si on lui donne que du jeton bleu, attendez, je vais le refaire une dernière fois. Je vais par contre changer les joueurs. Je vais mettre Bellon, Garcha. Je vais mettre Gamma. Je vais voir en fait si avec un certain objet ça change en fait. Je vais tester, je vais tester, je vais tester. Parce que bon, après, j'ai peut-être pas de chance d'avoir que le même. Que le même jeton en défi. Et c'est le Bon, qu'est-ce que je chope? Ah, voilà. Pour dire que ça change, là j'ai reçu toujours un jeton, mais cette fois il est passé violet. Voilà, c'est juste pour montrer que vraiment tout défi drop n'importe quel jeton et qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul défi. Par exemple, si vous tombez sur un défi qui va vous donner peut-être deux fois des jetons dorés. Ce défi ne va pas vous donner constamment des jetons dorés, c'est vraiment que vous avez de la chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut recruter encore parmi les joueurs? En fait, j'ai envie de les virer, je ne sais même pas les utiliser. Namikawa, il grandait, franchement, mon contre-car. Mikado, je vais peut-être le garder. Langford, je mon contre-car. Allez, hop, tu dégages. Ça me fait de la place dans le binder. Alors. Ouais, si vous vous demandez, c'est le. Comment s'appelle? Le commentateur du Grand Celesta Galaxy. Je l'ai en. Vous l'avez en 4 postes. Attaquant, milieu, défenseur, gardien. Attends. Attaquant, milieu. Deux défenseurs, gardien. Ok. Un feu, un air. Ok. Est-ce
Potomori. Ah, lui, je l'ai pas sous cette forme. Eminel adulte. Oui, Katora. J'ai bien envie de voir leur point évolutif, tiens. Allez, trois jetons argentés. Ça me coûte rien, je vais pas en mourir. Je vous prends. Potomori, allez. Ensuite, on prend Potomori en version clown, enfin poupée. Ah, vraiment, Galaxy, c'est vraiment le jeu qui vous fait recruter des joueurs improbables. Et ça change, toujours voir toujours des humains, c'est chiant. Là, maintenant, on a des extraterrestres, c'est pas mal. Linel adulte. Peut-être que je récupère l'adolescent, mais sur Supernova aussi. Tiens, faut que je... Peut-être que je joue à Supernova un peu plus. Je joue à Supernova. Je vais essayer de finir mon équipe. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai encore de la place? J'ai encore de la place pour deux. Qu'est-ce que je peux virer? Oh merde, j'ai trop de joueurs. Austin, allez, tu débloques. Allez, les petits frères de Matatagi, vous pouvez décaler, vous prenez de la place. Fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de joueurs que... Kagedis, pourquoi je... Ouais, non, Kagedis, il va rester. Le truc, c'est que beaucoup de joueurs s'obtiennent par QR code ou par un autre procédé. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, en fait, au dernier procédé pour avoir des joueurs. Alors, ça, c'est pour la communauté de... comment ça s'appelle? De Feida. Enfin, la Nujian, si vous préférez. Le Nujian. Tito, je l'ai recruté, mais je l'ai viré. Chiel, je l'ai gardé. Yurke, je l'ai pas recruté. Ouais, non, parce que tout le monde va le recruter. J'ai pas envie de l'avoir comme tout le monde. Voilà, You. Giri, je l'ai. Homme. Je crois que j'ai recruté tous les Genshin users, j'ai l'impression. Ou pas, en fait, il y a certains joueurs que je n'ai pas recruté. Gimus, Darren, Amstrad, Sylva. Lui, là, il a un esprit guerrier, mais bon, mon contrecarre. De toute façon, j'ai déjà recruté quasiment une bonne partie des joueurs qui m'intéressaient. Protocole Omega, qu'est-ce que je veux prendre? Ah oui, il y a aussi Excellence là-dedans. Oh, tout! Comme tu n'es pas original, puisque tu vaux 9, donc j'ai envie de te prendre. Mesdames, Orca. Ah, j'ai pas pris Orca en normal. Je veux dire sa version Mixi Max. Même Dana non plus, j'étais pas pris. Bon, ah oui, voilà. Ouais. Non, Alpha, Beta, Gamma, eux, c'est doré. C'est doré. Bon, en fait, j'ai plus rien à faire. J'ai recruté ce que je voulais. On va checker un petit coup d'œil sur leur point évolutif. Parce que c'est comme ça qu'on trouve des bons joueurs. C'est pas en cherchant que dans les jetons dorés. En même temps, ça permet de découvrir le potentiel du joueur. 200, 200, 200. Ok. Bon, en clair, je l'ai dans le baba. Donc, j'ai parlé des manières de recruter. Donc, qui est une manière assez simple, des jetons. Mais il y a aussi une dernière manière que j'ai un peu expliquée dans une vidéo précédente. Mais bon, je crois que ça va être un peu, en fait, limite inutile parce que je crois que j'ai déjà fait tous les recrutements possibles des joueurs. Je veux juste jeter un petit coup d'œil, que je regarde un peu dans mon binder. Comme ça, moi, je suis fixé. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Ah, il me semble que je ne l'ai pas. Il me semble que je ne l'ai pas et que dans ma liste, en plus, il n'y est pas. J'ai Kurosu, Orca, Reza. Non, d'accord, je l'ai pas. Donc, ce qu'on peut faire, on va peut-être essayer de le choper, en fait, ce joueur. On va peut-être essayer de le choper.
Par contre, Kourio, s'il te plaît, rends la place des titulaires. Allez. La dernière manière, c'est en fait avec le joueur en question, enfin le joueur, la machine en question, la bouffeuse de. La bouffeuse de pièces. Est-ce que je sauvegarde ou pas? Est-ce que je sauvegarde? Eux, je les ai recrutés, mais est-ce qu'ils vont rester au final? Non, je sais pas. Ça me ferait chier de dépenser pour rien. Bon. Allez, on va dépenser 5. Vous savez, la machine qui vous vole des jetons pour des talents. Et bien, dans cette machine, vous pouvez recruter aussi des joueurs. Notamment les formes Miximax. Donc, non, lâche-moi! Faites notamment par exemple. Allez, un exemple. Par exemple, Wolfram en loup-garou. Ça peut être. Par exemple, Big, donc en version adulte. Ça peut être, je sais pas. Attendez, c'est moi trouver. Par exemple, Akushu, le Miximax de Belong et Teska. Ça peut être les formes Hyper Dive de Excellence. Ça peut être, par exemple, Axel dans ses versions Chronostone. Ou ça peut être la version Galaxy avec les cheveux lâchés. Ça peut être Xanar comme Miximax avec Kao Kao. On voit, il y a plein de joueurs. Par exemple, les joueurs de Chronostorm, donc Faye Miximax avec Big. On peut avoir Arion et TS4, Arion et Roi Arthur. Qu'est-ce qu'on a? Les formes de protocole Omega Miximaxé avec leur maître Xanar. Donc, par exemple, Dana avec Xanar. Ryoma et Sakamoto. Non, Shindo et Nobunagase par Miximax. Arion et Mar. Qu'est-ce que je peux vous trouver encore? Par exemple, Papa. Vous avez Reine des Dragons, Thor et son papa. Bon, voilà, c'est des joueurs que vous pourrez recruter par la machine. Donc, à savoir que la machine donne les joueurs de manière aléatoire, c'est défini par avance. Donc ne vous étonnez pas si par exemple vous voulez avoir Roméo, Miximax, Xanark, si vous pouvez l'avoir au bout de 20 jetons, comme vous pouvez l'avoir au bout de 200 jetons, c'est totalement aléatoire. Le dernier en date que j'ai récupéré, c'est Gamark. C'est le dernier en date que j'ai récupéré dans la machine, mais il me semble qu'il me manque, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, Einam, le pote de Alpha. Même plus comment il s'appelle. Ah voilà, Mike. Voilà, c'est Mike. Je crois que Mike, je l'ai pas. Je sais pas si je vais l'avoir là-dedans. Même peut avoir des objets là-dedans. Mais voilà, le truc c'est que vous allez dépenser une bonne partie de vos jetons dorés pour avoir ces joueurs, notamment si vous voulez en recruter. Bon, par contre, voilà, c'est assez fastidieux, ça coûte bonbon. Bon, perso, j'ai des jetons à dépenser. J'en ai encore 90, c'est pas ça qui va me tuer. Allez, donne-moi Mike, s'il te plaît. Enfin, si possible, ce serait cool. Économie, tiens, merci, j'en avais besoin. Sueur et larmes. Bon, après celui-là, je m'arrête. Hein. Allez, ok, merci beaucoup. Bon, voilà, grosso modo, vous avez ces différentes manières pour recruter. La machine à silica ou le système de recrutement classique. Après, bien sûr, comme j'ai dit, les jetons, ça varie. En même temps, ça varie en fonction des prouesses des joueurs. Par exemple, pour certains, vous aurez besoin de faire, je sais pas, 200 défis, vous aurez besoin de faire un score de...
de, je sais pas, plus de 10 000. Enfin, c'est comme sur Chronostone, vous devez faire une valeur maximale. Après, ce qui est bien, comme ça, je me permets de clôturer rapidement la vidéo, c'est qu'au niveau des prouesses, vous avez accès donc à la liste des prouesses, mais en même temps à ce qui vous manque. Par exemple, cette prouesse, c'est avoir tous les uniformes. Il faut en avoir 100, ça marque qu'il ne me manque que 20. Par exemple, pour cette prouesse, je dois faire 1000 défis, il m'en manque 289. Pour affronter les équipes en match amical, il doit faire 1000, il me manque 298. Donc au moins cette fois, on a un visuel, on n'a pas à se dire, par exemple, pour accès l'adulte, il fallait faire 200 matchs amicaux, 200 matchs amicaux, il fallait se dire, dans combien de temps j'ai fini, je dois en faire combien, donc vous êtes en train d'en faire, en faire, en faire. Puis au final, peut-être vous vous rendez pas compte, on avait fait 250 et vous avez passé le cap depuis longtemps. Là, vous avez clairement le visuel sur ce qui vous reste à faire, donc sur les prouesses. Par exemple, bon, ça c'est la puissance qu'il faut faire. Commando Battle, c'est même pas ça. C'est même pas ça en fait. Commando Battle, voilà. Par exemple, voilà, cette prouesse, c'est par exemple faire un score d'une valeur de 1000. Tout simple, après ça augmente 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 25000, 50000. Si vous arrivez à la faire un coup par exemple 50000, vous débloquez tout le reste en une fois, bien sûr. Après, bien sûr, il y a des prouesses qui sont un peu plus fastidieuses. Par exemple, celle-ci, c'est affronter une équipe en street pass. Celle-ci, c'est faire un échange. Ça c'est faire un téléchargement internet, il me semble. Enfin, voilà. Vous avez plein de petites prouesses. Elles sont plus ou moins difficiles à réaliser. Après, bien sûr, il y a deux joueurs dont la prouesse est pas la plus difficile. Enfin, si, c'est la plus difficile, justement. Bien sûr, elle est faisable. Mais notamment, je tiens à le dire, tous ceux qui prendront Big Bang, vous serez largement avantagés. Et je tiens à le dire maintenant, je vous le conseille. Tous ceux qui vont prendre Big Bang, certes, c'est un petit... Non, en fait, je peux même pas vous le dire. Si, de toute façon, c'est... Si, je suis là pour vous dire, allez, hop, c'est cadeau. Pour ceux qui prendront Big Bang, recrutez Belong et Quentin Cinquedea. Si vous le faites pas, tant pis pour vous. Je vous laisse vous démerder. C'est juste que, on va dire, comme vous, sur Chronostone, vous plaignez que la prouesse pour avoir TS4 était assez difficile, fallait avoir 50 maillots, c'est difficile, patati, patata. Je vous dis tout de suite sur Galaxy, les 50 maillots, c'est finger in the nose. C'est extrêmement facile de les avoir, les 50 maillots. C'est vraiment très très facile. Parce qu'il suffit juste en fait, d'une part, de faire à peu près les défis que vous croisez. La plupart des défis donnent le maillot en question. Mais en plus, vous avez un parcours qui vous donne pratiquement que des maillots. En même temps, on va aller le voir, comme ça vous permettra de... Il y a un seul joueur qui se débloque avec cette condition, il me semble que c'est Nior. Il se débloque avec la condition d'avoir 50 maillots. Et franchement, en jouant, vous la faites assez aisément. C'est vraiment c'est le parcours de la route du sacre. Ça donne que des maillots. On va compter. Alors, on a... Bon, eux, j'ai pas leur maillot, ça commence bien, donc faut que je les fasse. Je n'ai pas leur maillot, donc ça fait déjà deux matchs que je dois faire. Donc 1, 2, 3, 4. On est déjà à 5 maillots. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Déjà à ça, vous êtes déjà à 16 maillots. Plus KFC. Kentucky Fried Chicken. On est à 17, 18. On est déjà à 19 maillots pour un seul parcours. Ça vous fait déjà presque un tiers du chemin. Après, il suffit juste de les faire remettre. D'ailleurs, peut-être que je les fasse. Donc, Genai Gakuen, je dois faire... Ah non, 18, parce que les révolutionnaires, ça compte pas, ils ont le maillot de 0. 18, ensuite, Seidouza, je dois faire... Oh, bah ça va... Ok, on va le faire tranquillement. J'ai déjà trouvé ce que je vais faire. Donc, voilà. Donc, c'est sûr, cet épisode que ça se finit. On a parlé des recrutements, c'est assez simple. Épisode peut-être de 40 minutes, mais bon... On a un peu parlé de comment se passent les recrutements. Donc on récapitule. 5 jetons qui se drop dans tous les défis. Tous les matchs amicaux.
il n'y a aucun défi ou match amical particulier qui permet de dropper un jeton en question. Si vous voulez du jeton doré pour faire tous les défis, bien sûr, avec tous les téléchargements du jeu et les QR codes, vous aurez largement de quoi faire. Là, où j'en ai 90, mais il me semble que de manière générale, avec les téléchargements et les QR codes, vous avez pour grosso modo, je crois, 350 jetons dorés. Donc, déjà pour commencer, c'est déjà pas mal. Ensuite, par rapport au recrutement, la difficulté du recrutement ne se fait pas en fonction. Enfin, la difficulté du recrutement ne se fait pas en fonction du jeton. Là, vous pouvez très bien avoir, par exemple, je n'ai pas d'exemple. En plus, lui, j'ai même pas sa condition. Ça commence bien. Il faudrait peut-être que j'y finisse. Mais voilà, par exemple, pour un joueur avec des jetons rouges, il vous faut quand même deux objets, une prouesse. Quand vous avez un joueur avec des jetons argent, qu'il vous faut vraiment deux photos, une prouesse, un objet. Par exemple, un joueur avec le jeton bleu, lui, ça peut être trois objets, une photo. Ou ça peut être deux objets, un thème, une photo. Enfin voilà, tout diffère, il n'y a pas de difficultés propres par rapport au jeton. N'importe quel joueur a sa, peu importe son jeton, il peut être rouge, il peut être violet, il peut être argenté. Voilà, ça ne veut pas dire que le joueur est en même temps fort. Je crois que je me suis un peu perdu dans ce que j'ai dit. En même temps, pas d'amalgame, ce n'est pas parce que le jeton est doré ou violet que le joueur est fort. Il y a des joueurs très bons que vous pouvez retrouver dans les jetons rouge, bleu ou argenté. C'est comme ça aussi qu'on retrouve des perles. Il faut recruter, c'est ça. C'est pas parce que on tombe sur un capitaine qu'il est forcément fort. Recrutez des joueurs. Vous allez sur le Galaxy Note, vous regardez les points évolutifs. C'est comme ça que vous découvrirez donc le potentiel des joueurs. Et toi, donne-moi ton esprit guerrier. Merci beaucoup. Hop, un petit Onsoku no Varias gratos. Merci. Et je vais peut-être récupérer Orca pour la fin, parce que je sais pas pourquoi je n'ai pas pris Orca. Oh, j'ai même Reza. Bon, allez. De toute façon, je les ai déjà recrutés. Je les ai déjà recrutés. Donc, voilà. C'était un épisode, ma foi, assez simple, parce que cet épisode, il a un peu fait à l'improviste. Parce que ce n'était pas notamment, c'était pas le sujet de la prochaine vidéo, en fait. Je n'avais pas prévu de parler des recrutements maintenant. Je pensais le faire un peu plus tard. Mais bon, comme je vois que beaucoup m'ont demandé, oui, fais des recrutements, patati patata, bah voilà, j'ai fait. Après, j'ai fait des recrutements de joueurs que je n'ai pas. Je vais pas faire des recrutements de joueurs comme Sol, Nior ou je sais pas, Tescad, parce que je les ai déjà, ces joueurs, et que je vais pas encore dépenser des jetons pour des joueurs que j'ai déjà recrutés. Je vois pas l'intérêt. Ou des joueurs que j'ai déjà, exclure un joueur pour le recruter à nouveau, ça serait un peu bête. Donc par défaut, j'ai préféré encore recruter des joueurs que je n'ai pas. En même temps, ça me permet de voir s'il y en a qui ont un bon potentiel ou pas. Après, par exemple, Saturne. Oh, Atlas. Oui, parce que. Un dédicace à notre dictateur. Parce que ce joueur, dans sa version française, s'appelle Atlas. Et d'ailleurs, c'est un joueur que j'ai utilisé dans ma équipe sur Go. Et de deux, c'était un des joueurs que j'ai beaucoup utilisé lors du tournoi Yogo, donc de la Japan Expo 2014. Et qui a joué un rôle crucial parce que son balista shot m'a bien aidé à marquer des buts. Ensuite, moi, les joueurs de Dragon Link, bon, un des plus classiques. Sol, j'ai déjà. Quentin, je l'ai déjà. Chronos, je l'ai, bon. De toute façon, j'ai rien de nouveau à vous montrer au niveau des recrutements. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les surdoués, ok. Et ensuite, ça, il faut que j'en recrute certains. Ah, ok, ça doit être. Comment ça s'appelle? Maxi, machin, Medule et Infinity Beyond. Ouais, faut que je recrute des joueurs de la communauté. Mais j'ai pas trop envie, hein, parce que. Ah, bah non, il est là, ce con. Ok, donc c'est un autre joueur. Autant pour moi. Donc voilà. Donc on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Donc voilà. Petit épisode à la fois fait à l'improviste. C'est façon d'un
te parler un peu des recrutements, de ce que ça a apporté. Franchement, ça ressemble un peu au système de Inazuma Eleven 3. Franchement, pas de quoi fouetter un chat, c'est des jetons. Franchement, il suffit juste de faire des matchs ou des défis et de farmer. Je me sens que dans IE3, j'ai aussi tous les jetons à peu près, peut-être 90, entre 70 et 99. Ça se forme assez vite, ça se trouve dans les coffres. C'est assez simple. Franchement, voilà, vous ne pouvez pas manquer de joueurs. Et sachant que maintenant, vous pouvez recruter au maximum, comme vous voyez, là, mon binder est rempli. Au maximum 336 joueurs, il me semble. Attendez que je me trompe pas. Ouais, 336. Donc le nombre est indiqué à côté de Goldas, là, le nombre de joueurs recrutés, enfin dans ma réserve. Vous avez largement de quoi faire. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain Galaxy Strat. Ça c'était un épisode pas forcément Strat, mais vraiment c'était vraiment pour ressortir le côté recrutement qui a changé depuis Go. Et je pense que peut-être beaucoup vont s'y plaire. Par rapport au système de points d'amitié qui était assez fastidieux, car fallait farmer. En plus, en même temps, fallait mettre par exemple, le talent esprit d'équipe pour avoir. Il me semble que c'est esprit d'équipe. Dites-moi si je me trompe, mais je sais plus c'est quoi. Je crois, belle motivation et. Ou je crois que c'est esprit d'équipe, il me semble, pour l'amitié. Voilà, fallait farmer, c'était long. En plus, les joueurs, ça coûte beaucoup. Sachant qu'en même temps, les Miximax, ça coûte. Là, les Miximax, ça coûte, c'est gratos. Des points de motivation, vous êtes pour l'entraînement, franchement, vous êtes tranquille. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, tout plein de bonnes choses. Peace!